Thank you.
the other things that were, I thought there was so many things to do. I was worried maybe some of you would not come. And I wanted to thank you because of all the things you could have decided to do, you decided to join us here. To my dear friend Rhoda, and to the festival warrior, à vous tous, on voudrait juste vous dire merci. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
d'avoir la langue française plus joyeuse, plus attentive. Je suis extrêmement heureux, Jean-Marie. Je remercie tout d'abord publiquement de m'avoir convié à participer de ce projet. C'est un honneur et c'est une chance inouïe. Improbable au départ, nous étions sur un plateau télé un dimanche soir, prime time, Laurent Delamousse, et après un mystérieux accord, Mélodie, sans perdre de temps, comme à son habitude, me dit d'un coup, je veux faire un nouveau livre. Là, on était en train de tourner, c'était un live, et j'étais surpris par cette phrase, il fallait enchaîner. Donc, j'avais l'air un peu blasé, et j'en profite pour m'excuser. Et à l'intérieur de moi, j'étais très intimidé, mais très heureux aussi. Mais c'est vrai que en rentrant à la maison, quand tu m'as appelé le lendemain, j'avais cru que j'avais changé d'idée. Et je l'ai répondu. Les hommes, meilleures excuses. Oui, parce qu'après, tu m'as appelé une deuxième fois et j'ai toujours pas répondu. Et finalement, tu m'as laissé ce message et je suis arrivé chez toi avec une valise et je suis un perroquet. On a passé un temps merveilleux à écrire des chansons comme à l'ancienne, vraiment donc je sais pas, mais c'est écrire tous les jours. Et un soir, tu m'as demandé si j'avais une idée d'un standard qu'on pourrait chanter ensemble. D'autant plus intimidant, puisque je ne suis pas exactement un chanteur, et je me suis dit que si jamais j'ai la chose sur un terrain un peu plus, qui me soit plus naturel, ce serait peut-être un peu moins difficile. Et nous partageons un grand amour pour la musique brésilienne, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec la musique. Et je pensais à cette chanson, qui est une chanson. D'amour, qui est un duo écrit par Vinicius de Moraes et un compositeur qui, après coup, après avoir choisi le morceau, je me suis rendu compte qu'en fait, il s'agissait de mon père. Le plus grand des hasards. C'est vrai. Donc, mon père qui s'appelle, pour ceux qui le connaîtront, qui s'appelle Baden Powell. Et cette chanson s'appelle. Et cette chanson qui s'appelle Samba Interlude. A gagné une version magnifique écrite par quelqu'un que peut-être vous connaissez également, un auteur-compositeur qui s'appelle Kirba, qui a écrit une honorable version de chansons brésiliennes. Et nous sommes très fiers de la présenter ce soir. Samba Interlude. Thank you.
Você, meu amor, não sou.
On est inspiré par des choses tellement étendues et tellement étranges qu'on demande même si la vraie vie n'est rien. J'avais une expérience comme ça. I found myself for the first time in Paris as a young girl, having a strong, extreme is a really good word for enormous, extremely. An extreme case of jet lag. And upon arriving at my hotel, six stories up, I dropped my bags, took off my clothes, went to bed. And what felt like an eternity later, I was woken up to the sound of jets. This is for me.
I'm dead.
is about to explode. We're incredibly grateful to have this opportunity to join you this evening, and thankful that you're here, each and every one of us. They might not have the microphone, but I don't know how I feel it. And I thought what would be appropriate this evening is to end with a song that was written and done for us, to express that desire to finally get a chance to see you from the rim of time. So if you don't mind, from Paris with love, but from Montreal, of tous. Merci.
When home.